Je suis Mélanie de Freitas, responsable ressources humaines de l'entreprise Gefica. On est situé à Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre. On fabrique des pièces en caoutchouc pour différents secteurs d'activité. On est une entreprise de presque une centaine de salariés maintenant. Nos engagements inclusifs au niveau de Gefica sont dans un premier temps l'emploi des jeunes. Donc on prend les jeunes soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, suivant en fait les écoles et les formations qu'ils souhaitent suivre. En plus de l'emploi des jeunes, on travaille également sur l'emploi des seniors. Au niveau de notre engagement sur les personnes en situation de handicap, on essaye de les accompagner justement pour qu'ils puissent travailler sur leur dossier avec les organismes comme la GFIP qui puissent leur permettre en fait de pouvoir avoir cette reconnaissance et de pouvoir être connus et de pouvoir avoir des dossiers pour la suite parce qu'évidemment ça a un impact sur leur vie future. Enfin, Gefica travaille également sur la sobriété énergétique. Depuis quelques temps. On a donc le projet Bureau Vertueux et le projet Décarbone Action pour lequel Gefica s'est engagée dernièrement. Gefica fait partie du club Les entreprises s'engagent dans la Nièvre depuis 2021, fin d'année 2021 exactement, parce qu'on a trouvé un très fort intérêt à pouvoir partager des expériences, des bonnes pratiques, et des échanges avec toutes les entreprises de la Nièvre. Moi particulièrement avec tous les homologues RH avec qui j'étais déjà en contact, grâce à un autre club, mais sur lequel on se retrouve et j'en connais de nouveau. Et cela nous permet vraiment de pouvoir partager énormément de choses. On a pu participer à différentes actions qui ont été entreprises par la Fabrique Emploi et Territoire, ce qui nous a permis de pouvoir bénéficier d'actions, d'aide, d'accompagnement, mais également de pouvoir faire connaître notre entreprise sur le territoire nivernais.